Bonjour, chers étudiantes et étudiants. Bienvenue à ces capsules de statistiques. Nous venons de parler des méthodes, des mesures plutôt de tendance centrale, mode, médiane, moyenne. Et maintenant, nous allons passer à d'autres choses de très reliées à tout ça. Ce sont les mesures de dispersion, ou MDD. Bon. Connaître la moyenne d'une distribution, c'est une chose. Si je vous dis que, en général, les enfants du groupe expérimental on avait une moyenne de 70, t'sais, dans l'étude sur l'apprentissage de la lecture, là, sur l'effet des jeux interactifs de lecture sur les habiletés de lecture. Bon, savoir ça vous renseigne uniquement sur la tendance centrale. C'est déjà bien parce que ça réduit toutes les données en un chiffre de tendance centrale. La moyenne dans ce cas-ci, mais ça nous dit rien sur comment les scores sont répartis alentour de cette tendance centrale-là. Comparez les deux histogrammes de fréquence à droite ici. Okay? Ils ont le même nombre de scores, 10 au total. Ils ont la même moyenne, 8. Mais si vous regardez la distribution, elle est très différente. De dire que la moyenne est 8, simplement, ne nous permet pas de distinguer entre ces deux distributions qui ont quand même des distinctions très importantes, là, celle du haut et celle du bas. Okay? La distribution du bas montre beaucoup plus de variabilité, beaucoup plus de dispersion. Ces deux mots-là, variabilité et dispersion, veulent dire la même chose, okay? Alentour du centre que celle du haut. Celle du haut, les données sont beaucoup plus compactées alentour du centre. Celles du bas, elles sont beaucoup plus variables, beaucoup plus dispersées alentour du centre. Centre. Or, juste parler de la moyenne, ça ne nous dit rien sur cette dispersion. Et donc, ceci nous amène à parler des mesures de dispersion ou MDD pour faire ça court. Alors, si vous demandiez à un des chercheurs dans l'étude sur les habiletés de lecture, si vous demandiez, hey, dans le groupe expérimental, comment dispersées étaient les données? T'sais? Ben, le chercheur pourrait vous répondre de différentes manières. Première façon dont il pourrait vous répondre, c'est en vous parlant de l'étendue. Okay? Étendue que ici on va appeler E majuscule. Okay? Et l'étendue, ben, c'est très simple, c'est le score maximal moins le score minimal. Donc pour la distribution du haut, le score maximal c'était 10 parce qu'on voit ici qu'une personne a eu 10. Le score minimal c'est 6, on voit qu'une personne a eu 6. Donc, ça serait 10 moins 6, 4. Pour la distribution du bas, ben, on voit ici qu'une personne a eu 15, entre 14 et 16, là. Remarquez que c'est par bond de 2, là. Donc, 15, et une personne a eu 1. Donc, ici, l'étendue serait 15 moins 1, 14. Donc, un étendue beaucoup plus large en bas qu'en haut, ce qui fait du sens. Hein? Mais il y a toutes sortes de problèmes avec l'étendue. Et ce n'est pas généralement la meilleure mesure de dispersion et la plus populaire. Entre autres, un des problèmes avec l'étendue, c'est que, imaginons, prenons cette distribution du haut, là, okay, qui va entre 6 et 10, et dont l'étendue est 4. Okay. Mais imaginons que j'avais une étude avec 100 personnes, okay? Puis les 100 personnes étaient, 99 personnes étaient entre 6 et 10, vraiment là. Okay? 99 personnes se trouvaient entre 6 et 10. Il y avait juste une personne qui serait à 20, par exemple. Rien qu'une, une sur 100 qui était à 20. Mais l'attendu ici, à ce moment-là, deviendrait 20 moins 6, 14. Alors qu'en réalité, 99% des participants serait entre 6 et 10. Comment l'étendue pourrait être de 14? C'est un des problèmes avec l'étendue. Okay? Le chercheur, pour répondre à votre question par rapport à comment étendues les données sont, pourrait utiliser deux stratégies qui sont plus utilisées, plus populaires. Ce sont la variance et l'écart-type. Et les deux sont très reliées l'une à l'autre. Okay? Ces deux choses-là, la variance et l'écart-type,
vous disent la même chose fondamentalement. Puis là, préparez-vous parce que la phrase, elle peut être un peu complexe à comprendre. Ces deux choses-là, la variance et l'écart type, ce qu'ils vous donnent, c'est un estimé de la distance moyenne entre les scores et la moyenne. Donc, tout de suite, il faut faire une différence entre la moyenne, que j'utilise la moyenne comme statistique, qu'on sait qu'ici qui est 8, okay, et en moyenne. En français, c'est dur de faire cette différence-là parce que c'est les mêmes deux mots. Okay? C'est le même mot, je veux dire. En anglais, on fait la différence entre mean et average. Donc, en anglais, je pourrais dire « What is the average distance of the scores from the mean? » Mean, c'est la moyenne, puis average, c'est en moyenne, disons. Okay? Mais en français, on n'a pas ça, c'est juste moyenne. En tout cas, à ma connaissance. Donc, il faut vraiment comprendre. Donc, j'ai mis moyenne ici en italique. Je l'ai mis pour référer à en moyenne. Et quand je parle de la moyenne, ben, je mets la moyenne avec la majuscule ici. Donc, ces deux choses-là, la variance et l'écart type, vous disent en gros, vous donnent un estimé de la distance moyenne entre les scores et la moyenne. Bref, ils répondent à la question suivante. En moyenne, comment répartis sont les scores alentour de la moyenne? Vous voyez qu'ici, ils sont probablement en moyenne beaucoup moins répartis alentour de la moyenne que ici, où en moyenne, ils sont beaucoup plus répartis alentour de la moyenne. On va commencer avec la variance. Okay? La variance dont le symbole est S au carré, si on parle de la variance d'un échantillon, donc si c'est une statistique, et ce truc-là ici qui est sigma au carré, si on parle de la variance d'une population, donc si c'est un paramètre. Donc, on va commencer avec une situation très simple. Imaginons une base de données où j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 participants. Okay, ben j'aurais dû savoir, c'était ici. 10 participants, ok. Chacun a un score. Le premier participant a eu 6, le deuxième a eu 7, le troisième a eu 7, le quatrième 8, le cinquième 8, et ainsi de suite. Et donc, les scores ont été mis en ordre, comme vous pouvez voir ici. OK. Et on va présupposer que ces 10 participants-là sont une population. Par exemple, une classe de 10 étudiants, puis c'est la population qui vous intéresse, c'est cette classe-là. OK? Ça, c'est une grande présupposition qu'il faut garder là. Imaginons qu'on travaille avec une population maintenant. OK? Je vais vous montrer graduellement comment calculer la variance. Bien, afin de calculer la variance, ce truc-là, sigma au carré pour une population, il faut commencer par calculer les déviations entre chaque score et la moyenne, entre chaque x et mu, la moyenne. Parce que vous vous souvenez, la variance vous dit en moyenne, quelle est la distance ou la déviation moyenne entre chaque score et la moyenne. Donc, il faut faire ça. Donc, la première chose que vous voyez ici, j'ai tous mes scores. Okay? J'ai calculé ici la summation de X, donc l'ensemble des scores, ça me donne 80. Si je divise ça par 10, ben, ça me donne la moyenne, qui est mu, qui est 8. Et donc là, je peux commencer à calculer chaque déviation de chaque score par rapport à la moyenne. Donc, 6 moins 8, ce que j'ai ici. 7 moins 8, la moyenne. 7 moins 8, la moyenne. 8 moins 8, la moyenne. 8 moins 8, la moyenne, etc., etc. 9 moins 8, 9 moins 8, 10 moins 8. Donc, j'ai fait chacun des scores moins 8. Moins la moyenne, dans le fond. Et donc, ça me dit que le premier score, il est à moins 2 de la moyenne. Donc, il est en dessous de la moyenne de 2. Le deuxième est en dessous de la moyenne de 1, et ainsi de suite. Ceux-là, c'est 0 parce qu'ils sont en plein sur la moyenne, 8. 1 pour 9 et 2 pour 10 ici. Donc ça, c'est toutes mes déviations par rapport à la moyenne. En langage mathématique, ces déviations-là s'expriment de la manière suivante, entre parenthèses, x moins mu. C'est ça que j'ai ici. X moins mu, ce sont toute la série de déviations. Chaque score moins la moyenne. Donc là, si j'ai toutes
les déviations par rapport à la moyenne de chaque score, ben techniquement, si je calcule une moyenne de tous ces trucs-là, moins 2, moins 1, 0, 0, 0, ça va me donner ce que j'avais besoin de savoir, qui était en moyenne, à quelle distance sont chaque point de la moyenne. Okay? Donc si je faisais la moyenne de moins 2, moins 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, ça me dirait en moyenne à quelle distance sont chaque point de la moyenne. Parce que ici, j'ai calculé les distances de chaque point à la moyenne. Okay? Donc, j'aurais techniquement besoin de faire la moyenne de toutes ces déviations-là. Okay? Ce serait moins 2 plus moins 1 plus moins 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 2 divisé par 10. En langage mathématique, j'aurais besoin de faire ça, dans le fond. Et voyez-vous comment c'est comme une moyenne, ça? Parce que la moyenne, là, c'était summation de x sur n. Ici, c'est summation des déviations de x par rapport à la moyenne sur n. Okay? Mais le problème, c'est que si je fais ça va me donner 0. Essayez-le, là. Faites moins 2 plus moins 1 plus moins 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 2 divisé par 10. Ça va vous donner 0. Pourquoi ça va vous donner 0? Parce que vous souvenez-vous quand je vous avais décrit comment la médiane est différente de la moyenne, puis je vous avais dit que la moyenne, arithmétiquement, là, c'est le point central, le point d'équilibre d'une distribution, dans le sens où il y a autant de déviations en dessous qu'au-dessus de la moyenne. Or ici, on a des déviations qui sont en dessous de la moyenne, moins 2, moins 1, moins 1. On a ici des scores qui sont. Il n'y a pas de déviation par rapport à la moyenne, 0. Puis ici, on a des scores qui ont de la déviation au-dessus de la moyenne, 1, 1, 2. Or, si vous faites moins 2, moins 1, moins 1, plus 1, plus 1, plus 2, ça s'annule. Ça donne toujours 0. Alors, notre logique, elle est quand même bonne de vouloir calculer la moyenne de ces déviations-là pour trouver en moyenne. Quelle est la distance entre chaque score et la moyenne? Mais on ne peut pas le faire de cette manière-là. Il y a une solution très simple à ça qui s'en vient. Et c'est que ce qu'on va faire, c'est que pour régler ça, on va calculer le carré de chaque déviation. Puisque le carré de quelque chose de négatif est toujours positif. Puis le carré de quelque chose qui est positif est toujours positif. Donc, ça ne va pas s'annuler. Ça va pas toujours donner. Ça va pas juste. Les négatifs ne vont pas annuler les positifs. Okay? En langage mathématique, ça veut dire que ce qui nous intéresse vraiment, c'est les déviations au carré. Ça veut dire x moins mu au carré. Donc, je recommence. J'ai commencé avec mes 10 scores. J'ai trouvé la moyenne. J'ai fait mes 10 déviations par rapport à la moyenne. Puis là, si je faisais la moyenne de ces déviations-là, je trouvais que ça me donnait 0. Comment m'en tirer? Okay? Ben, la façon de m'en tirer, c'est de les mettre au carré. Donc, je mets ces déviations-là au carré. Moins 2 au carré, c'est 4. Moins 1 au carré, c'est 1. Même chose ici. 0 au carré, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. Maintenant, j'ai des déviations au carré que je peux, avec lesquelles je peux faire une moyenne. Donc, il me s'agit maintenant de calculer la moyenne de toutes ces déviations au carré-là. Okay. Donc, si je fais ça en langage mathématique, ça veut dire je somme chacune des déviations par rapport à la moyenne au carré, divisé par le nombre de déviations qu'il y a, donc divisé par 10, en fond. Okay. Attention ici, là, c'est pas le carré de la somme des déviations par rapport à la moyenne. Hein? C'est la somme de chaque déviation par rapport à la moyenne au carré. Okay? Donc, je crée, dans le fond, la moyenne de ça ici. Okay? Donc, vous savez déjà comment faire ça. Je fais la somme de la déviation ici. Pardon. Je fais la somme de chaque déviation par rapport à la moyenne au carré. Quand je fais ça en passant, là, ça s'appelle, et ça me donne 12, là, donc 4 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 4, ça va me donner 12. En passant, on appelle ça une somme des carrés, SC. Souvenez-vous de ça. Donc, ce qui est en haut ici, c'est SC.
Puis là, ben, si je divise ça par 10, ça va me donner la moyenne des déviations ici, là, au carré. Donc 12 divisé par 10, ça va me donner 1,2. En passant, on appelle ça un carré moyen. Souvenez-vous de ça aussi, CM. Okay? Donc j'ai ici ma somme des carrés, ce qui est vraiment la somme des déviations entre chaque point et la moyenne mise au carré. Puis si je divise cette somme qui est égale à 12, qui est égal à ça plus ça plus ça plus ça. Et si je divise ça par 10, ça me donne une moyenne, qui est la moyenne de toutes les déviations au carré ici, que j'appelle un carré moyen. J'appelle ça un carré moyen parce que les choses étaient au carré en haut ici. Et ce carré moyen-là, 12 divisé par 10, 1,2, c'est ma variance que j'ai ici, là. Sigma au carré est égal à 1,2. C'est ça ma variance. Donc, un autre mot pour le carré moyen, ou ce que j'ai calculé là, c'est la variance, sigma au carré, quand on parle d'une population. Souvenez-vous, on parle ici d'une population. OK, en d'autres mots, ça veut dire que la variance, là, pour la calculer, si vous avez tous les cas d'une population, la formule mathématique pour la variance, c'est ça ici. Pour calculer la variance, vous faites la somme de chaque score moins la moyenne mise au carré. Ce qu'on a fait ici, chaque score moins la moyenne, on a mis ça au carré. Okay. Et voici ce score-là, cette somme-là de 12. Et vous la divisez par le nombre de personnes qu'il y a, 10. Donc 12 divisé par 10, ce qui vous donne un carré moyen. Et ce carré moyen-là, c'est quoi? C'est exactement ce qu'est la variance. 1,2. Donc, la variance ici de cette base de données-là, c'est 1,2 ou 1,2. OK, à ce point-ci, remarquez que c'est un peu étrange à interpréter, là. Ce qu'on est en train de dire, c'est que, en moyenne, le carré de la distance entre chaque point et la moyenne est de 1,2. Ça veut dire quoi, ça, le carré de la distance? C'est un peu étrange. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'était en moyenne comment chaque point sont répartis alentour de la moyenne. Mais là, ici, ça nous dit en moyenne, c'est quoi le carré de chaque distance entre chaque point et la moyenne? C'est un peu weird à interpréter. Mais il fallait mettre ça au carré parce que sinon, on ne pouvait pas calculer notre fameuse moyenne des déviations ici. OK? On ne pouvait pas le faire. Donc, ça nous amène à parler de l'écart-type. Parce que l'écart-type, ce que c'est si je prends ce 1,0, ce 1,2 que j'ai trouvé comme variance, okay, puis je fais la racine carrée de ça me donne 1,09, qui est l'écart-type, qui est juste sigma. Si on annule l'exposant au carré en calculant la racine carrée de la variance, cela devient l'écart-type, sigma, qui est beaucoup plus facile à interpréter. Alors, sigma pour une population, souvenez-vous, sinon ça serait S. Sigma, c'est dans le fond ma variance, mais sous une racine carrée. Donc, c'est la racine carrée de ce que j'ai trouvé comme variance. Et si je fais ça me donne 1,09. Donc, je trouve. Pour calculer l'écart-type, il faut d'abord que je passe par la variance. Je calcule chacun des points, la déviation entre chacun des points et la moyenne. Je mets ça au carré parce que je ne pourrais pas faire la moyenne des déviations, ça donnerait toujours 0. Je mets ça au carré, ça me permet de m'en sortir. Je calcule ma somme des carrés, divisé par 10, ça me donne 1,2. C'est mon carré moyen qui est ma variance, 1,2. Puis là, j'annule le carré ici, là, je les annule en prenant la racine carrée de ce 1,2-là et ça me donne 1,09, qui est mon écart-type. Et là, lui, il est beaucoup plus facile à interpréter que la variance de tantôt, parce que la variance de tantôt, c'était comme en moyenne, le carré de la distance entre chaque point et la moyenne est 1,2. Okay? Ici, j'enlève cette idée de carré, parce que j'ai pris la racine carrée. Donc, je peux dire, en moyenne, les scores sont à 1,09 points de la moyenne. Donc, à une distance de 1,09 unités de la moyenne. Okay? Et ça, c'est mon écart-type.
Donc, cette formule-là est la formule pour calculer l'écart type d'une population. Encore une fois, je vous invite à vous souvenir qu'on présupposait que ces 10 personnes-là étaient notre population d'intérêt. Okay? Donc, si on parle de population, c'est ça ici. Maintenant, qu'en est-il si on parle d'un échantillon, si on veut calculer la statistique S, qui est l'écart type, ou S au carré, qui est la variance d'un échantillon. Okay? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passerait-il si on présupposait que ces 10 personnes-là ne sont pas une population, mais un échantillon? Est-ce que ça changerait la façon dont on le calcule? Ben, vous vous souvenez, la formule pour la moyenne, X bar, est la même que pour mu, fondamentalement. La somme de chaque score moins le nombre divisé par le nombre de scores. Okay? Donc, il n'y a pas de différence. Mais pour la variance et l'écart type, il y a une différence. Il y a une différence entre, si on parle d'un paramètre, comme ici, ou d'une statistique, dans le cadre d'un échantillon. Et la différence, ben, elle est toute petite, en fait. C'est que si on parle d'un échantillon, la variance pour l'échantillon, c'est la même chose que pour la population, sauf... Ben, en fait, je vais vous montrer c'est quoi. Pour la variance pour un échantillon, c'est ça la formule. Puis l'écart type pour un échantillon, c'est ça la formule. Okay? Variance, écart type. N'oubliez pas, l'écart type, c'est dans le fond la variance, mais on a enlevé, on a mis tout ça à la racine carrée. Okay. Remarquez les différences. Première différence, le symbole pour la variance est passé de sigma au carré à S au carré. C'est parce que là, on ne parle plus d'un paramètre au niveau de la population, mais d'une statistique au niveau d'un échantillon. Pour l'écart type, il est parti de sigma et il a changé pour S. Aux différences. Donc ça n'a pas changé, la sommation de x, ça n'a pas changé. La moyenne est passée de mu à x bar, évidemment, parce que tantôt on parlait d'une population, donc on avait accès au mu. Et ici, c'est un échantillon, donc on a x bar. Donc ici, on voit x bar là et là. Le fait de mettre tout ça au carré, ça n'a pas changé. Donc vous avez toujours vos sommes des carrés en haut ici, vos sommes des carrés. Mais la grande différence, c'est que le dénominateur, qui était de n avant, comme si je vais ici, okay? Ça c'est pour la population, il était de n avant. Okay? Mais maintenant, on vous recommande de le mettre à n moins 1, petit n moins 1, c'est-à-dire le nombre de personnes dans l'échantillon moins 1. Okay? Ça veut dire que... Je calcule. Donc maintenant, si je présuppose que ces données-là sont un échantillon, je calcule la déviation par rapport à la moyenne. Okay? Je la mets au carré. Okay? Parce que je suis obligé, sinon ça va donner 0. Je calcule la somme des carrés en haut, là, ce qui est dans le fond ça, là, ici. Ça me donne 12, comme tantôt. Mais au lieu de diviser 12 par 10, je divise maintenant 12 par 9, par n moins 1. Et ça me donne 1,33 comme variance. Et si je prends la racine carrée de tout ça pour annuler le fait que j'avais mis tout ça au carré, ça me donne un écart type S qui est de 1,15. OK, là je sais exactement ce que vous pensez. Vous êtes en train de vous demander pourquoi on enlève 1? Pourquoi on fait n-1? Quand on a calculé une moyenne d'un échantillon, on n'a pas fait diviser par n-1 la somme des scores. Pourquoi dans le cadre de la variance et de l'écart type pour un échantillon, il faudrait faire n-1? Excellente question. Pourquoi utilise-t-on n-1 comme dénominateur dans la formule de la variance et de l'écart type pour un échantillon? Pourquoi ce n'est pas juste n? OK? Ben, il y a plusieurs façons de le voir. Il y a plusieurs explications possibles, mais voici celle que je peux vous donner. Que moi je comprends le mieux. C'est que, souvenez-vous que pour calculer l'écart type d'un échantillon, pour calculer S, il nous faut la moyenne de l'échantillon, right? Ça nous prend X bar parce que c'est ça la formule. Si on n'a pas X bar, on ne peut pas faire la somme de chaque déviation au carré entre, t'sais? Donc ça nous prend X bar.
Or, on va présupposer que x bar c'est égal à mu. Quand on prend un échantillon, là, okay, puis on obtient une moyenne, on va présupposer que la moyenne de l'échantillon est pas mal égale à la moyenne de la population d'où a été tiré cet échantillon-là. Okay? Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une différence entre la moyenne de l'échantillon et la moyenne de la population? Est-ce qu'il y a des bonnes chances qu'il arrive? Ben, la minute où la moyenne de l'échantillon que vous avez trouvé, c'est pas la même chose que la moyenne de la population d'où a été tiré cet échantillon-là. La minute où c'est pas la même chose, qu'elle soit plus petite ou plus grande, un petit peu plus petite ou un petit peu plus grande, la minute où ça arrive, puis en passant, vous ne savez pas si ça arrive parce que vous avez pas accès à la moyenne de la population, mais vous vous doutez que ça arrive probablement. Parce que les chances que vous tombez en plein sur mu avec votre x-bar, tu sais, sont petites. La minute où c'est pas la même chose, x-bar que mu, l'écart type de l'échantillon S que vous allez calculer avec votre x-bar, il sera toujours plus petit. Une sous-estimation de ce qu'il aurait été si x bar avait été égal à mu. Et donc, il y a des bonnes chances que si vous calculiez l'écart type d'un échantillon sans faire n-1, juste avec n, il y a des bonnes chances que ça soit une sous-estimation de ce que l'écart type aurait été si vous aviez connu la vraie moyenne de la population d'où a été tiré l'échantillon. Et donc, comme c'est une sous-estimation, en faisant n-1, ça fait enfler le score un petit peu. Ça le rend un peu plus valide. Je vais essayer de vous montrer ça visuellement. Parce que je comprends que c'est difficile en mots comme ça. OK. Imaginons que vous êtes un dieu ou une déesse qui a la capacité de créer une distribution dans le monde comme ça. Okay? Techniquement, on peut créer des distributions, là, mais imaginons qu'on est dieu et qu'on crée une distribution, par exemple, okay? De 15. Okay? On crée 15 êtres humains, une population de, on crée une population de 15 êtres humains. Ça, c'est la population. Okay? Et on les répartit sur un certain score, par exemple, je ne sais pas moi, en termes de créativité ou peu importe. Ce n'est pas important pour notre exemple. Donc, vous êtes Dieu, vous avez créé une personne qui est 4 en termes de créativité, une personne qui est 5, une personne qui est 6, deux personnes qui sont 7, une personne qui est 10, trois personnes qui sont 11, quatre personnes qui sont 12, une personne qui est 14, une personne qui est 17. Vous avez donc créé une population de 15 unités statistiques, dont la moyenne est 10,07. C'est en plein ici la moyenne, 10,07. Okay? Vous connaissez la moyenne mu de cette population-là parce que vous êtes Dieu, vous l'avez créée. Arrive maintenant un chercheur humain, okay, qui est mortel, qui n'a pas accès à toute la population parce que ce serait trop compliqué pour lui de trouver, d'avoir accès aux 15 cas. Je sais que c'est un peu ridicule, mais imaginons que c'est le cas. Okay? Et lui, il dit, ben, je vais prendre un échantillon de ça. Puis dans le fond, les échantillons que je vais prendre un échantillon de 5. C'est le maximum que je peux faire. Donc, il prend la personne qui est à 5, la personne qui est à 5 rentre dans son échantillon. La personne qui est à 6 rentre dans son échantillon. Une des personnes qui est à 11 rentre dans son échantillon. La personne qui est à 14 et la personne qui est à 17 rentre dans son échantillon. Aléatoirement, là, c'est tombé comme ça. Donc, lui, il prend un échantillon de 5. Okay, et il trouve que la moyenne de son échantillon, c'est 10,8. Maintenant, il a échantillonné dans votre population que vous, en tant que Dieu, vous avez créée, là, votre population de 15 avec une moyenne paramétrique, un mu de 10,07. Il a échantillonné là-dedans. 5. Okay? Il a échantillonné un tiers de votre population, c'est quand même pas pire. Et la moyenne qu'il a trouvée, 10,8, qu'il a obtenu, c'est pas exactement la même que la moyenne que vous connaissez être la vraie moyenne de la population, n'est-ce pas? Il y a une différence entre les deux.
Alors, ce chercheur-là, maintenant, avec ses 5, son échantillon de 5 et sa moyenne de 10,8, peut calculer sa variance et son écart-type. Okay? Puis imaginons qu'il fait ça sans le n-1, là, juste avec la formule la somme des carrés divisé par n. La somme des déviations au carré, pardon. Le carré. Oui, somme des carrés, pardon, divisé par n. OK? La formule sans le n-1. Alors, s'il fait ça, il va calculer la déviation, le carré de la déviation entre chaque point et sa moyenne de 10,8. Évidemment, vous savez que la vraie moyenne est ici, mais lui, il ne sait pas. Lui, il pense que c'est à 10,8 que ça se passe. Donc, il fait 5 moins 10,8 au carré, plus 6 moins 10,8 au carré, plus ce point-là moins 10,8 au carré, plus celui-là moins 10,8 au carré, plus celui-là moins 10,8 au carré. Il trouve sa somme des carrés, il le divise par 5, parce qu'il ne sait pas qu'il faut faire moins 1. OK. Ça lui donne un écart-type au bout du compte de 4,62. Okay? Oubliez pas, lui, il assume que sa moyenne de 10,8, elle est bonne, que c'est vraiment la moyenne de la population où a été de laquelle a été tiré son échantillon, à partir de laquelle a été tiré son échantillon. Okay? Il assume que x bar est égal à mu qui est égal à 10,8. Vous, en tant que Dieu, vous savez que x bar n'est pas égal à mu ici. Mais lui, il l'assume. Il ne sait pas. Okay? Et il va calculer son écart-type juste en divisant par n, pas faisant n-1. Mais l'écart-type qu'il va trouver, c'est 4,62. OK? Mais maintenant, imaginons que tout à coup, vous, en tant que Dieu, vous intervenez et vous lui soufflez à l'oreille, psst, la vraie moyenne, c'est 10,07. Okay? Et lui, il dit, ah, ouais, mais moi, j'avais trouvé 10,8. Ouais, je sais. Ton échantillon, il est vraiment pas pire, là, mais la vraie moyenne, c'est 10,07. Puis là, il dit, ah, OK, ben je vais recalculer ma variance, puis mon écart-type, mais en prenant la vraie moyenne, qui est 10,07. Mais s'il faisait ça, okay, ben il ferait chacun des points qu'il a trouvé dans son échantillon, moins 10,07. OK, ici, je me rends compte d'une erreur, mais il est trop tard pour moi de le fixer, j'en suis désolé. 10,8, toutes les 10,8 ici, là, ça devrait être 10,07, OK? Voyez-vous? Parce que je les ai juste pas changés, puis il est trop tard pour changer ça. Ça devrait être 5 moins 10,07, la vraie moyenne au carré. 6 moins 10,07, la vraie moyenne au carré. 12 moins 10,07 au carré. 17 moins la vraie moyenne au carré. Puis, en tout cas, je me suis perdu, là. 14, 17, vous comprenez l'idée? Donc, il recommencerait sa variance puis son écart-type en utilisant la moyenne, la vraie moyenne, la moyenne de la population qui lui a été soufflée à l'oreille. Mais et imaginons qu'il fait toujours ça avec la formule qui n'a pas n-1, là. La formule, c'est toujours la somme des carrés divisé par n. Mais s'il faisait ça avec la vraie moyenne, okay, l'écart-type de son échantillon serait 4,68. Ben regardez, 4,68, c'est plus gros que ce qu'il avait trouvé tantôt avec sa fausse moyenne. Il avait trouvé 4,62 avec la moyenne de son échantillon. Mais la moyenne de son échantillon n'était pas égale à la moyenne de la population. Là, Dieu lui a soufflé, psst, la moyenne de la population, c'est 10,07. Ah ouais? Ah ben je vais utiliser ça, c'est beaucoup mieux. En faisant ça, il trouve que l'écart-type est plus grand. Okay? Et ça, c'est vrai, peu importe que l'écart-type de la population aurait, ou peu importe où il aurait été sur l'échelle, de la minute où le mu n'est pas exactement au même point que le x-bar, si tu calcules ton écart-type en utilisant ton x-bar, ça va toujours donner une sous-estimation que ce que tu aurais trouvé si tu avais eu accès au mu. Voyez-vous, 4,62 qu'il trouve comme écart-type en utilisant son x-bar. Mais quand Dieu lui souffle, oups, quand Dieu lui souffle, pst, la moyenne, c'est vraiment. Ce serait mieux d'aller avec 10,07, c'est la moyenne de la population. Il dit, ah ben je vais le prendre. Ben, le S a monté de 4,62 à 4,68. C'est pas énorme, là, ici, mais c'est parce qu'on a. Parce que j'ai un exemple très simplifié, là. Si vous avez 100 points, là, ça va faire une plus grosse différence. Plus distribué sur une plus grosse échelle, ça va faire des grosses différences. Donc, tout ça, c'est s'il calcule sans le n-1. OK?
Ici, il calcule, il divise par n, ça lui donne 4,62. Mais s'il avait vraiment accès à la vraie moyenne, ça lui donnerait, puis qu'il divisait par n, ça lui donnerait 4,68. Okay? Donc, on voit que ça serait vraiment plus gros. Mais bon, en réalité, donc vous allez prendre un échantillon d'une population, mais je suis désolé pour vous, mais Dieu ne va jamais vous souffler à l'oreille, psst, la vraie moyenne, là, le mu, c'est telle affaire. Donc, vous allez toujours être pris dans une situation où vous ne savez pas, vous allez être pris dans sa situation à lui ici, là, où est-ce que vous ne savez pas si x bar est égal à mu. Vous allez trouver, imaginons que ça c'est vous, vous allez trouver une moyenne, qui serait de 10,8, mais vous ne savez pas si le mu est égal à cette moyenne-là. Vous ne savez pas. Pour être plus haut, pour être plus bas, il pourrait être en plein dessus. Mais honnêtement, il y a beaucoup de chances qu'il ne soit pas exactement ce x bar. Or, ça veut dire que si vous divisez par n votre somme des carrés, ça va toujours donner quelque chose qui est plus petit que ce que vous auriez vraiment obtenu si vous aviez vraiment frappé la bonne moyenne, la moyenne de la population. Or, vous ne pouvez pas savoir si vous frappez la moyenne de la population. Donc, une des façons pour s'en tirer, c'est de diviser par n moins 1. Et quand vous faites ça, vous augmentez la valeur, vous enflez un petit peu la valeur de l'écart-type que vous trouvez. Okay? Et en enflant la valeur de cet écart-type, vous vous dites que peut-être vous vous rapprochez un peu plus de ce qu'aurait été l'écart-type si vous saviez vraiment c'était quoi mu, puis vous l'utilisiez dans votre calcul. Donc, je ne suis pas certain si vous comprenez ou si j'ai fait une bonne job à l'expliquer, mais réfléchissez à ça. Okay? C'est l'idée que techniquement, vous devriez diviser par n la somme des carrés, parce que vous faites une moyenne des déviations par rapport à la moyenne. Donc, techniquement, vous devriez diviser par n. Mais vous savez que si vous divisez par n, puis si la moyenne de l'échantillon que vous utilisez dans votre calcul, s'il n'est pas mu, c'est pas la même chose que mu, il y a des bonnes chances que ça donne quelque chose de plus petit que ce que ça aurait été si vous aviez accès à mu. Et donc, vous savez pas que vous avez accès, si vous avez pas accès à mu, vous savez pas si votre moyenne échantillonnale est la même que la moyenne de la population. Donc, ce que vous faites, c'est que vous dites, il y a des bonnes chances que si je divise par n, ça va sous-estimer un peu ce que ça aurait été si j'avais vraiment accès à mu. Donc, vous allez diviser par n moins 1 à la place pour enfler ça, pour défaire un peu, pour aller contre le fait qu'il y a des bonnes chances que votre écart-type au niveau de la statistique soit toujours un peu sous-estimé parce que vous ne savez pas si vous avez accès à mu. Bon, je vous laisse avec ça parce que c'est très théorique, là, mais j'essaie de vous démontrer ça dans le fond. J'espère que vous comprenez que ça fait un peu de sens. Okay? Je vous rappelle l'erreur ici. Okay? Notez bien que dans cet exemple-là, ici, on avait le premier cas où il faisait sa somme des carrés par rapport à la moyenne qu'il avait trouvée, 10,8. Puis ici, c'est le scénario où Dieu lui a soufflé la réponse, mais j'ai oublié de changer ici. Ça devrait être 10,07, 10,07, 10,07, 10,07, 10,07. OK? Bon. C'est pour ça qu'on divise par n moins 1, bref. C'est pour ça qu'on fait ça ici, quand on parle d'un échantillon. On divise par n moins 1. Parce que si on divise par n, il y a des bonnes chances que notre écart-type soit une sous-estimation de ce qu'il aurait vraiment été si on avait des meilleures données. En d'autres mots, si on savait vraiment, par meilleures données, je veux dire si on savait vraiment que x bar était égal à mu. Si on pouvait mettre mu là-dedans, mais on n'a pas accès à mu. Alright, je vous laisse avec ça parce que techniquement, vous pourriez me dire, monsieur, on avait juste besoin que vous nous disiez c'est n moins 1, puis on s'en fiche pourquoi. Oui, c'est vrai, mais je voulais vous l'expliquer. OK. Alors, cet écart-type que vous allez trouver, S, plus il est petit, moins il y a de variabilité ou de dispersion au sein de la distribution de scores. Donc, ça veut dire plus la plupart des scores sont proches à l'entour de la moyenne. Plus l'écart-type est large, plus il y a de variabilité au sein de la distribution des scores, plus il y a de dispersion. Je viens juste de me rendre compte d'un petit changement ici.
Dans le reste des PowerPoint, ça disait MDD, mesure de dispersion. Ici, j'ai mis MDV, mesure de variabilité. C'est exactement la même chose. Okay? C'est simplement moi qui ai oublié de changer mon V pour un D. Mais variabilité, dispersion, mesure de variabilité, même chose pour nous ici. Okay? Okay? Donc, par exemple, dans la distribution du O, si vous calculiez le S, l'écart type est de 1,10. 1,10. Ça veut dire qu'en moyenne, les scores sont à 1,10 unités de la moyenne qui était 8. Dans la distribution du bas, le S est de 3,82. Vous voyez une grande différence. Ça veut dire qu'en moyenne, les scores sont à 3,82 unités de la moyenne qui, encore une fois, où est ma flèche? Qui, encore une fois, était 8. OK? Donc, ces écarts-types-là, évidemment, le plus petit écart-type que vous pouvez trouver, ça va être 0. Et ça, c'est s'il n'y a aucune variabilité au sein de vos données. Ça veut dire, par exemple, imaginez une base de données de 5 données qui est 10, 10, 10, 10, 10. Ben, si tout le monde a eu 10, la moyenne est 10, puis tous les scores sont 10, donc, il n'y a aucune déviation entre chaque score et la moyenne. Donc, l'écart type est automatiquement de 0. Okay? Donc, 0, c'est le plus petit écart type que vous pouvez trouver. Vous ne pouvez pas trouver un écart type négatif. Ça ne fait pas de sens. Okay? Et techniquement, il n'y a pas de limite. Théoriquement, il n'y a pas de limite à comment haut l'écart type pourrait monter. Il n'y a pas de limite. Okay? Sauf qu'on va voir que si les choses se distribuent de manière normale, la plupart des variables qui nous intéressent dans le cours ici vont se distribuer de manière normale, puis on va parler de ce que ça veut dire. Et en général, si quelque chose se distribue de manière normale, ça veut dire que la plupart des données sont quelque part entre moins 3 écarts-types en dessous de la moyenne, puis 3 écarts-types au-dessus de la moyenne. On va parler de ça plus tard. Je ne voulais pas vous mélanger avec ça, mais bref, un écart-type peut être au minimum 0 et au maximum, ben, il n'y a pas de limite nécessaire. OK. Quand on parle de moyenne puis d'écart type, où est-ce qu'on retrouve ça dans, par exemple, si vous prenez un article scientifique, comment qu'on note ça comment ça se retrouve dans les articles scientifiques, ces trucs-là? Ben, on retrouve des moyennes puis des écarts types partout dans les articles scientifiques parce que c'est tellement des statistiques importantes. Okay. On va les retrouver sous forme de texte dans les sections participants, par exemple. Okay. Quand on explique c'est qui les participants là, d'une étude, on va les retrouver là. On va les retrouver sous forme de texte dans la section des résultats. On va les retrouver sous forme de données dans des tableaux, dans le texte ou en annexe. Juste pour vous montrer, vous donner une idée, j'ai plusieurs exemples ici, en anglais et en français, okay, de moyennes et d'écart-types dans le contexte d'articles scientifiques. Okay? Donc, par exemple, ici, vous avez un article scientifique et j'ai pris la section des participants. J'ai juste pris la section des participants. Okay? Puis, vous voyez, la première phase, ça dit 41 étudiants non rémunérés, 24 femmes et 17 hommes, âge moyen 20,94, ET 1,27. ET, c'est écart type. Donc, ce qu'ils sont en train de nous dire ici, c'est qu'il y avait 41 participants qui ont fait l'étude, la moyenne de leur âge était de 20,94 années, donc presque 21 ans, avec un écart type de 1,27. Okay? Ici, on voit un autre exemple, dans une section résultats. Okay, j'ai pris la section résultats d'une étude, résultats à la tâche de détection de sondes, blablabla, qu'on voit ici, en moyenne, le participant a fait 4,06 erreurs avec un écart type de 2,62. Donc, s'il comptait le nombre d'erreurs, combien de fois les participants faisaient des erreurs quand on leur demandait de détecter quelque chose. Okay? Okay? Puis, il comptait le nombre d'erreurs. Puis, ils ont remarqué qu'en moyenne, les participants ont fait 4,06 erreurs avec un écart type de 2,62. Ça, c'est la distribution des erreurs. Ici, on voit encore, ici, les individus n'étaient pas plus rapides à détecter la sonde lorsqu'elle apparaissait sur un côté spécifique de l'écran. Quand elle apparaissait en haut de l'écran, la moyenne pour quand la sonde apparaissait en haut de l'écran, c'était 472,81 millisecondes avec un écart type
de 51,49 millisecondes. Quand elle apparaissait en bas de l'écran, vous n'avez pas besoin de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire en bas de l'écran, en haut de l'écran. Vous n'en faites pas. C'est juste remarquer que dans l'article, on parle de quelque chose en haut de l'écran, quelque chose en bas de l'écran. La moyenne en bas de l'écran, c'est 479,26 millisecondes avec un écart type en bas de l'écran de 51,03 millisecondes. Donc, vous voyez, très souvent, ça se retrouve comme ça. Là. En français, là, on va dire âge moyen ou on peut dire M aussi. Puis écart type, c'est souvent ET dans un article en français. Souvent ET. Je sais que vous, je vous ai montré mu, je vous ai montré X bar, sigma, S, OK? Mais souvent dans les articles en français, on parle de on va dire le mot moyen ou moyenne, ou bien on va mettre M majuscule. Puis pour écart type, on va souvent utiliser ET. Okay. Voici un exemple où on a des tableaux. Donc ici, on a un tableau qui dit moyenne et écart type des temps de réaction. Donc ici, on a calculé les temps de réaction des gens à une tâche quelconque. Okay. Puis on voit ici des moyennes puis des écarts types. Pour des gens qui sont fortement anxieux, puis des gens qui sont pas anxieux. OK? Puis, il y a toutes sortes de trucs ici, là, mais vous voyez que voici les moyennes et voici les écarts-types. C'est les moyennes et voici les écarts-types. Encore une fois, moyenne ici est mis en M majuscule, écart-type ET. Ça, c'est en anglais. OK? On trouve la même chose ici. On trouve mean, okay, qui est la moyenne. Puis SD, c'est pour standard deviation, qui veut dire écart-type. Standard deviation. Donc, on voit pour différentes conditions les moyennes des gens. Okay? Puis les standard deviation, les écarts types. Okay? Donc, ça ressemble à ça dans le cadre d'article. Encore une fois, en anglais, dans la section participants. 35 undergraduate students participated in this experiment. 29 women, 6 men. M age, ce qui veut dire mean age, c'est-à-dire la moyenne de l'âge. M age, 20.57. SD, ce qui veut dire standard deviation, ce qui veut dire écart type, 3.96. Donc, ils avaient cet échantillon-là avait un âge moyen de 20.57 avec un écart type de 3.96. Okay? Ce qui veut dire qu'en moyenne, les gens avaient un âge qui était à 3.96 unités de la moyenne qui était 20.57. Même chose ici, on voit dans une section résultant en anglais. Okay? Fixations performed on fearful expressions were une moyenne de 2.98 avec un écart type de 77. Standard deviation. Mean, standard deviation. Mean, standard deviation. Donc très souvent, vous allez trouver. Puis encore là, je ne vous demande pas de comprendre le paragraphe-là. Pas du tout. Je vous demande juste de reconnaître que partout dans ces paragraphes-là, on nous montre des moyennes puis des écarts types. Okay? Parce qu'ils sont en train de nous décrire des distributions. Dans le fond. C'est assez pour cette capsule-ci. Je vous laisse avec ça pour l'instant. Ciao.